celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel. Et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai Shammah, Shammah. Elohim Adonai Shammah, Shammah, Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Que nous, les dieux de ma justice, oh, les dieux de ma justice, Shammah, tu as dit des bons échos des tribunaux, que nous, les dieux de ma justice, quand on vous accompagnera, Shammah, Shammah, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, Shammah, oh, je vous enverrai le paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur, c'est lui qui parlera à votre place. Alléluia. Il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que dans tu m'as donné. Je t'appelle Shammah. Le Dieu de mon alliance. Je m'appelle Elisa, je suis en Hollande. Je suis en convention à Adassa. Nazako lobaki eleki malamu convention yo eleki malamu guérison miracle o to moni a to mona na nuté meto moni yango na kati na dasa nzamba zako tia aboza musika me nzamba zako sembola loboko na ye azako sala na kati na baumbu na ye yango nazako lobana boyo balali pongi na bandako ba telema ba lukanzela. Tala bo baza ko bwaka basuki na bangoyo baza ko bwaka babiloko ba pantalon babiloko baza ko zwa lobiko ya makasi kati ne sika oyo lobiko ona baza ko futela ngombongo te ke basenga mbongo basenga mbongo te ya pamba gratis o mosala nzambe baza ko sapo moto asenga azwa ka eloko te ye ona sala ka mosala ya malunga me nzambe baza ko tira ba wumbu ne loboko. Archibishop a ngonga mine ya tongo. Tongo nyoso to aza kolesa biso na molimo. Tango ya bandi kolesa biso na molimo. To komi na 12h to koti na intercession. To komi na 16h to koti na intercession. To komi na 20h to poto sukisa to lali na yango tata prière mama peda mama pasteur aye ko prier les choses pona biso poto lala na yango. Me nzambe wana pona nina sala te kati na biso. Aza ko sala. Une grande convention qu'on préparait depuis le début de l'année. Cette convention vient de se terminer. Nous avons eu beaucoup de combats pour mettre en place cette convention. Ce n'était pas chose facile. On ne trouvait pas de salle. Et le Seigneur nous a conduits. Le pasteur José et Maman Tabitha nous ont offert donc cette salle où cette convention a pu se tenir. Nous sommes dans la joie. Car il y a eu de nombreuses délivrances. Il y a eu un service de guérison puissant.
Beaucoup de gens ont été délivrés. Vraiment, le Seigneur était vraiment présent dans la salle. Oh, nous sommes vraiment dans la joie. Et nous espérons que chaque année, nous aurons Hadassah Paris ici en France. Et nous attendons avec impatience notre bâtiment. Oh, peuple de Dieu, venez, venez rejoindre Hadassah, la bonne adresse, là où la gloire de Dieu règne en permanence. Connectez-vous en ligne chaque jour, le matin à 4h30, le soir à 20h. Si vous avez le temps, vous avez les intercessions à midi et à 16h. Restez en connexion avec Dieu. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Venez, Jésus is coming now. Il est à la porte. Préparez-vous, ô Seigneur, préparez-vous pour ne pas vous retrouver en enfer. Shalom. Pactol TV, une chaîne partenaire qui nous a aidés, qui a réalisé les spots pour Hadassah Paris et pour d'autres, qui est venue nous assister durant le filmage, durant la projection, dans la seconde salle, parce que nous avons deux salles. Et ce n'était pas facile pour les gens de la seconde salle de voir ce qui se passait dans la première salle. Donc, ils ont, au niveau logistique, ils ont assuré. Nous remercions Pactol TV, toute l'équipe de Lolo Moutima. Nous leur souhaitons une bonne continuation et que nous puissions continuer à travailler ensemble. Shalom. Shalom, shalom. Pauvre de Deus. Eu me chamo Mamá Cristina. Vivo na Suíça. Eu vim cá em Paris por assistir uma vigília que começou no dia 15 de setembro de 2017. E essa vigília, que se chama Hadassah Night em Paris, e nós acabamos no sábado. Acabamos no sábado, começamos às 14 horas até este momento que eu estou a dar este testemunho para vos informar o que é que Deus fez no meio de nós. Nós somos mesmo abençoados através dos servidores de Deus. Continuez en portugais. Allez, on continue. C'est pas grave, on va couper. On continue. O que eu quero anunciar, nós vimos a mão de Deus, os servos de Deus, Deus lhes utilizou, o Espírito Santo tomou o controle de tudo, o poder de Deus estava na sala, ouvimos muitos testemunhos, e vimos a mão de Deus. Muita coisa passou no meio desse poder de Deus, que nós sentimos mesmo a presença de Deus na sala. Sentimos mesmo a presença de Deus na sala, porque Deus estava mesmo presente, e tudo que nós vivemos foi pela graça de Deus. Por isso, eu estou a convidar todos os irmãos, todas as irmãs que não vieram, que quando ouvirem os anúncios através dos media, que não faltem, porque Deus, nesses dois dias, Ele operou muitas coisas. Shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis Mama Philo Adassa. Je viens de Belgique, j'habite à Liège. Vraiment, je suis venue ici parce que c'était la convention d'Adassa Night à Paris. Et parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, dans ma famille, raison pour laquelle je ne pouvais pas manquer. Et Dieu nous a visités, Dieu a fait de grandes choses. Moi, je dis toujours, mon Dieu est le vrai, le seul organisateur. Quand il nous invite et il organise quelque chose, ça ne se passe pas sans qu'il y ait de miracles et de grandes choses. Vraiment, Dieu nous a visités. Pendant la nuit, toute cette journée, ça s'est bien passé. Il nous a guéris, il nous a bénis, car il est le Dieu de multi-systèmes. Alors, vous qui avez raté aujourd'hui et le samedi, et le vendredi soir et le samedi, je vous invite à Adassa, Belgique, 50 ans. Ne ratez pas, que le Saint-Esprit vous aide de venir participer et assister à la grande convention qui aura lieu le 21, le 22 octobre à Bruxelles. Vraiment, ne manquez pas. Si votre Dieu est mort, essayez le mien. Le Dieu d'Adassa, il est vivant et agit. Venez aussi le 1er, le 2, le 3 décembre. Adassa Night à Amsterdam. Dieu vous fera de grandes choses et il vous délivrera car il est le Dieu qui promet et il le réalise. Je vous bénis au nom de Jésus. Shalom. Bonjour, je m'appelle Delphine. Donc moi je viens de Rouen et on est arrivé hier le 15 pour cet événement. Il ne fallait pas louper. Parce que c'est très, 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 très chaud. Hier, vous avez ceux qui ne sont pas venus, dommage pour eux. Parce qu'il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des opérations à chaud. Le Saint-Esprit a opéré, c'est extraordinaire. En tout cas, la prochaine fois, si vous voulez mettre votre foi à l'épreuve, il faut vraiment venir et voir comment le Saint-Esprit agit dans Adassa avec notre pasteur, Maman Mireille, et son époux. Bishop Nathanaël Banza. Donc le Seigneur les utilise puissamment. Et concernant bien sûr calmez-vous, parlez, après on va écouter. Voilà. Okay. C'est pas un direct. D'accord. Concernant bien sûr j'oublie là. L'organisation. C'est pas la convention. La sanctification, en fait, ce que je veux dire, la sainteté, le ministère de la sainteté, c'est pour nous, en fait, non, nous guider. Comment concernant la sainteté, hein, c'est pour nous aider, en fait, à rester clean avec le Seigneur. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nul ne verra le Seigneur s'il n'est pas sanctifié. Donc, eux, ils prêchent vraiment leur parole à eux, c'est sur ça, sur la sainteté. Donc, il est très, très important de s'approcher de ces personnes-là si vous voulez vraiment avoir une chance un jour de voir le royaume de Dieu, parce que eux, Dieu les utilise vraiment pour ça. Et je vous souhaite d'en faire autant. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Vous êtes bien sur Pacteur TV et nous vous informons qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour de la convention de ministère Adassa. Nous avons suivi les enseignements aujourd'hui du pasteur Mihai Banza et il nous a parlé sur le serpent, la femme qui doit écraser la tête du serpent et nous avons été bénis. Et c'est la fin de la convention. Nous tous, nous avons vécu des moments vraiment agréables et des délivrances, de témoignages incroyables des personnes qui ont tout simplement suivi la prière en ligne. Qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais même touché la main de pasteur Mihai Banza, ils ont été délivrés, ce sont des délivrances de loin. Des personnes qui ont découvert aussi la prière en ligne, ce sont ceux-là qui témoignent. Donc, je vous invite de suivre encore Adassa et la prochaine fois, ministère Adassa, ce serait en Bruxelles et on vous en donnera de nouvelles. Pour aujourd'hui, nous nous reverrons bientôt
sur Pactual TV. Shalom, shalom. Je suis la sœur Sylvia. Je viens de l'Angleterre. Donc, c'est ma première convention ici à Paris avec Hadassa. Sinon, je suis avec Hadassa depuis 2015. Donc, j'ai participé à plusieurs conventions avec Hadassa. Et mon impression d'aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment été touchée. J'ai vraiment été touchée. J'ai senti la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, j'ai senti la délivrance dans mon corps. Et j'invite aussi à ceux qui sont derrière l'écran, vous qui nous regardez, qui nous voyez, n'hésitez pas à venir ici. Ici, avec Hadassa, on est nourri spirituellement par la parole de Dieu. Il y a des services de délivrance, de guérison. Il y a l'enseignement, on est nourri dans tous les sens avec le message de la repentance. Cela nous amène dans le trône de Dieu. En tout cas, si vous cherchez la communion avec Dieu, moi je vous invite à venir à Hadassa, Hadassa Convention. Vous pouvez nous suivre en ligne aussi et nous suivre aussi sur Pactual TV. Moi j'ai été vraiment servie et je vous invite à venir nous rejoindre ici aussi. Merci beaucoup. Les gens nous essaient de vous parce qu'on est en fin. Je vais prier pour retrouver ma famille. Et grâce à la prière, je me suis arrivé de retrouver ma fille au bout de 10 ans. Amen, 10 ans. Et grâce à la prière, je peux retrouver la santé. Comprenez son émotion. J'ai été opéré du cœur. Je suis mort, je suis ressuscité. Grâce à la prière, je me suis en vie. Je suis actuellement devant vous. Amen. On t'a bien dit que votre fille était mort. Oui, on avait signalé à toute ma famille que j'étais mort. Et j'ai revu grâce à la prière à la retrouver. Amen. Et là, il me reste à retrouver une autre partie de ma famille. Amen. Regardez lorsqu'on enlève les victoires, ce que tu fais. Amen. Ce ministère n'est pas seulement pour les Africains. Amen. Tu peux le conduire là-bas derrière maintenant. Même les Blancs, votre place est ici. Amen. En Suisse, en Angleterre, au Danemark, prêchons aussi les Blancs. Présent de lui, c'est en français, mais il avait un problème sérieux. Il ne voyait plus sa fille pour 10 ans. Et opéré du cœur. Bernadette, la soeur Bernadette l'a amenée dans ta salle. Voici Dieu commence à restaurer sa santé. Amen. Voici la maman de sa fille qui amène l'enfant pour lui montrer l'enfant après 10 ans. Très éloge. Très éloge. Très éloge. Alléluia. Babouna, tout à l'heure, vous allez amener les couteaux, tout à l'heure, attendez un moment, papa va faire oui le bonheur tout à l'heure. On va partager les cartons d'anniversaire, on boit, et un peu de macaïbe, puis la boisson, on boit, et chacun prend son avion, il commence à partir. Mais je veux que nous puissions aller dans la joie. Amen. Avant que je vous donne le morceau de cartons d'anniversaire, je vais vous donner les cartons d'anniversaire spirituel. Amen. On a payé 2 800 € pour cette salle. C'est de 8h à 4h du matin. Donc moi, je ne suis pas pressée. Je vais vous donner les gâteaux d'anniversaire. Amen. Que vous allez partir avec. Amen. Ouvre Proverbe 31. Ouvre Proverbe 31. Oh, qui est cette femme-là qui va entrer? Qui est cette femme-là qui sera enlevée? Si je suis ici, je ne suis pas venue vendre ni acheter. Je venais ici pour faire les cheveux à ma tongue, mais aujourd'hui, je ne suis plus venue pour faire les cheveux, mais je suis venue chercher une femme. Amen. Je suis venue chercher une femme. Je n'entends pas que ta mère. Je n'entends pas que ta mère. Je suis venue chercher une prostituée. Je suis venue chercher une femme.
C'est la femme qui le calme.
couverture. Elle a des vêtements de fainéant et de pauvre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, qui est ton premier mari? C'est le Messie. Ils ont fait son mari, sont considérés aux portes. Quand on te regarde, on dit non, non. Bien-aimé, même si dans la bouche ils te chérissent, mais dans leur cœur, ils savent que non, cette femme-là, ce papa-là, il a le vrai Jésus. Amen. Et ton Jésus est honoré. Ton Jésus est honoré. Ton Jésus est élevé. Quel docteur! Quel docteur! Je sais que maintenant, la sœur, j'ai pris de l'eau armée. Quand on va lui poser la question, pourquoi tu ne mets plus le, tu ne mets plus le faux cheveux? Elle ne veut pas dire que c'est parce que mon mari est musicien. Non, tu dis le faux cheveux, tu sais, amène à l'enfer. Alléluia! Au revoir! Ça a été comme il faut, hein.
c'était bien, bien organisé. Hein. Ma femme qui fait partie de l'église. Ah oui, pour ma femme, oui, parce que moi je ne sais pas y aller, donc c'est pas la même chose. On a sepeli, on a convoqué Utikoleka, Nzamba Sali Bisongolu. Azan Nzambo Aza, le vrai, le seul organisateur. A permettre à Keloko Songolo pour la Bola Mouabananae. A Sali Ké, tous les solutions, on a problème, on a juste qu'on dit Manabiso. Nde volonté anzambe ko se manifester na bomoy asali ya minene ya kokamwa okumukembo isonge pana nzamba za malamu azabo lingo vraiment to sepeli mingi kati na Bruxelles nzamba sali ya minene oh nzamba pambola bino na mosala malamu pe obosali kati na Partout TV vraiment nzamba bakisela bino ebele poto za na besoin na bino po ete bato ebele pe kotala bino na travers chaîne na bino bazo zwa ba délivrance bazo kangola ma bazo sala nzamba zo sala kati na bango na kolanda bino a partir ya message de la repentance tika ete bolamu na nzambe za aliko na bino merci beaucoup amen. Ah, vraiment j'ai rendu gloire à Dieu. On a commencé bien, on a fini bien parce que on était avec la présence de lui-même le Dieu tout puissant ici. Comment c'était bien passé et Dieu nous a visités. Avant même la conversion, par des jeûnes et prières à la maison, Dieu nous a visités. Aujourd'hui, c'était seulement pour prendre et retourner avec ça à la maison. Et je rends aussi grande gloire à Dieu pour 5 ans d'anniversaire de maman Mireille. Vraiment, ça, c'est une grande chose pour moi parce qu'avoir 50 ans, ce n'est pas facile. Et surtout, dans leur service, être pasteur en Europe, là où les gens ne croient pas à Dieu, mais elle, Dieu t'a choisi. Vraiment, c'est merveilleux, merci. Na tambula ki na defe king ke seremenea, na balabala wana ba benga kangai de gisha mafia. Lelo yo na bonzambe, Seigneur abatizanga na kombo ya frère Caleb. Na sepeli mingi, na kutani lisusu na ndeko nangai, oto zalaki na ye na view wana, omoni marge vie na biso akenda, mais eloko moko atikelaka biso ezalaki bolingo. Parce que vie kesa zalaki plein d'amour, asangisaka biso penza, lelo na ye okuta na lisusu na ndeko nangai lolo mutima, dans le Seigneur, donc naza penene esengo, ndenge mukana ya 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, zali koloba, que l'amour yango nde muteza, munene na nyonso tokoki kosala na se ya moyi oyo. Nayebisa bino ke botala nanu batu oyo tobengaka ba grand lelo bazali susu te batu lokola ba king kesere meneya batu lokola ba papa wemba batu lokola ba servos nyarkos batika biso sikoyo omi pose question yo oleka ki bango na nini lelo tozolo ba boye le defe king kesere meneya lokola azalaki descendant ye moko pa banayi kolobango toujours azalaki descendant ya père Abraham ya père Isaac et père Jacob lelo aza na paradis ndeko conseil na kopesa yo tika viwana vrai yanke oyo azali dans le Seigneur oyo azotambula na crainte ya Nzambe oyo azotambula na vie ya sanctification yende vrai yanke parce que mingi bazana ba vie ba whisky bazana ba vie ba drogue balingi konore basi na bango te bazokimila mabilo kwa ndengo wana ngai papa Caleb na tambula ka pende ngwana ngai pe na budaka basai na Nzambe mais soki ba faux bazali na koyebisa bino ba vrai pe bazali neti couple oyo Archbishop Banza vraiment bazali pena ba serviteur de Dieu na banzi bino nyonso bolani ba témoignage ya batu ebele tozali wa 5 continents baza batu pena batambula na crainte ya Nzambe yango nazo benga bino vraiment bolinga Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Na yamba Jésus Christ pena na esprit na âme na corps. Et puis ngai tango na tika ki defe ki nkesere meneya azalaki nanu en vie et puis en plein succès. Na tango azo bimisa album na ye yango série oyo Seigneur akutana ki nanga na nzela ya témoignage ya mama Mimi Musao. Témoignage wana nde yango mutezongi sanga na bonzambe lelo naza dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse.
côté, je bénis vraiment le Seigneur pour, parce qu'il m'a emmené dans ce ministère. Si je suis ce ministère, c'est parce que le Seigneur m'a aussi donné un message sur la repentance. Et maman Mireille et papa Nathanaël, ils suivent vraiment ce message à fond, comme le Seigneur me l'a montré. Et je le bénis vraiment pour tous ses bienfaits. Et je sais que le Saint-Esprit était là, il a vraiment agi. Donc voilà. En tout cas, la convention na biso, Yesu ye moko azalaki na kati na biso. Eloko moko e touché nga na convention na biso ke bato bazalaki ya kopambwama, bato bazalaki na yesengo, bazalaki ere na kati na convention na biso, mutu nyonso asekutanaki na ye moko pe en tout cas, nga moko précisément na moni loboko na Nzambe kaka na moment oyo na toyaki na convention. Le message de la repentance qu'on a reçu, parce qu'avant Adassa, on était dans une église, j'étais dans une église 15 ans, et quand je suis arrivée dans Adassa, je me suis débarrassée de tous les objets du diable, j'ai eu la restauration de ma famille, j'ai eu l'arrêt de fausse couche, j'ai eu mon enfant ici dans Adassa parce que j'avais que de fausse couche sur fausse couche. Et quand je me suis débarrassée de tous les objets du diable, c'est là où les fausses couches aussi sont parties et j'ai eu mon enfant ici dans Adassa. J'ai eu la restauration de mes finances dans Adassa, donc j'ai tout reçu dans Adassa. Et le faux cheveu, les objets du diable emmènent en enfer parce qu'une personne peut dire qu'aujourd'hui, c'est faux, les objets du diable n'amènent pas en enfer, mais moi je peux vous rassurer que j'étais bien dans une église avec des faux cheveux, tous les objets du diable, j'avais aussi des problèmes, je pleurais dans ma chambre, mon oreiller était témoin, je pleurais, il y avait des larmes dans ma chambre, mais quand je me suis débarrassée de tout ça, Dieu a agi sans imposition de main. J'ai béni le Seigneur, ce qu'il a fait dans les trois journées de la convention. Nous étions vraiment visités dans cette convention. Dieu ne ment pas, bien-aimé. C'est lui qui est l'auteur de toute réalisation. Dieu nous a beaucoup visités, parlé pendant trois journées au nom de Jésus. Alors, on était bénis dans cette convention. Les hommes et les femmes ont vu la main de Dieu. C'est pour cela que nous sommes dans la joie de célébrer cela. De tous les cinq continents, de jeter des idoles comme on nous a prêché. C'est ça qui a fait la force de ce ministère, la repentance, de retourner vraiment au vrai Dieu parce que nous étions des idoles. Nous aimons faire des idoles comme notre Dieu, mais nous avons compris et nous avons retourné au Seigneur. C'est pour cela qu'il nous visite. Amen. Vraiment, j'ai béni l'Éternel et Dieu le Père. J'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant. J'ai dit merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous a assistés. Pendant ces trois jours, nous étions vraiment dans la gloire. L'Éternel et Dieu lui-même était dans la salle. Il nous a visités puissamment. Alors puissamment, vraiment, je manque même des mots pour expliquer ce que nous avions vécu pendant trois jours ici dans la ville de Bruxelles en Belgique. Nous avions eu Adassa Meeting depuis vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, c'est les derniers jours. Vraiment, vous aviez vu, même sans imposition les mains, comment Dieu lui-même était en train de toucher les gens dans la salle. Surtout hier, depuis vendredi, hier, quand je disais que le sida est en train de quitter les corps, le sida de la sorcellerie, comment les gens tombaient dans la salle, les gens qui avaient le sida, que les diables avaient mis le sida en eux, tombaient sans imposition des mains, les autres vomissaient, donc les cancers, les sida, la sorcellerie est sortie dans les corps des hommes et des femmes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a visités puissamment, nous a délivrés. Il a restauré des vies et vous voyez dans la salle comment il y a eu une grande joie. Les gens ne sont plus comme ils étaient venus le vendredi. Voici les gens retournent rayonnant de joie. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je dis un grand merci à Pactol TV, toute l'équipe de Pactol TV. Ils nous ont connectés en direct à la télévision pendant trois jours. Je dis vraiment un grand merci à la maison de Pactol TV.
que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à entrer aussi dans la profondeur de ce message de la repentance, afin qu'ensemble, nous puissions nous préparer au retour de Messie. Le thème principal, c'était « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui garde ses vêtements et qui, afin qu'il ne soit pas nu. » C'était dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Appelez-nous sur 00 31 626 88 31 01. Écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Shalom. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent. À l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tu es que nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Jamais, jamais. Tu as dit devant des causes et tribunaux. Les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shammah, eh, Shammah. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shammah, oh, Shammah. Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit de vie. Shammah, eh, oh, oh, l'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Shammah, Shammah, eh, il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu m'as donné. Dans ma vie, je t'appelle Shammah. Le Dieu de mon alliance. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne. Tous les jours, les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées des prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique. Faites le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites le 0033 1 78 90 03 32.
Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur des dieux. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xw.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.